MX Linux 21. Donc, distribution MX 21. Version 21 Linux. Donc, à ma grande surprise, je démarre aujourd'hui et je n'ai plus ici l'horloge qui était ici affichée l'heure avec une partie de la date. À ma grande surprise, je ne le vois plus. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une mise à jour ou est-ce que c'est une manipulation de ma part? Bon, d'un côté, ça m'arrange un petit peu parce que moi, d'avoir une grosse horloge ici, je n'étais pas tellement fan de ceci. Bon, ça, c'est personnel. Mais là, regardez, hop, je ne l'ai plus. Alors que, habituellement, elle est ici. Alors, je ne sais pas. Est-ce que j'ai touché un paramètre ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. On va voir ça. Paramètres du bureau. Alors, si quelqu'un sait, je remercie. Ça, personnellement, je n'ai pas besoin de la remettre. Mais c'est pour savoir, au cas où, est-ce que c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation? Alors, icône, je vais vous faire voir comment c'est réglé. Je ne sais même pas si c'est là, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est là-dedans. Arrière-plan, menu, non, bon. Je vois pas. Afficher les icônes sur 1. Je n'ai rien touché ici. Afficher les infobulles. Ouais, ok. Donc déjà, ça, je vais diminuer un peu parce que voilà. En tout cas, j'ai plus l'horloge là. Alors, est-ce que c'est une mise à jour? J'ai pas fait gaffe, mais en tout cas, j'ai plus la grosse horloge ici, l'heure, avec deux couleurs différentes, hein. L'heure, les minutes. Alors moi, je trouve pas ça spécialement utile, dans le sens où, quand vous avez vos raccourcis, ah ben, pour les placer, si vous les placez sur l'horloge, ben voilà, ça fait pas terrible, et en plus, on voit presque, enfin, à moitié plus l'horloge. Alors ça oblige les gens à les déplacer. Bon, c'est pas méchant, hein. Il y en a qui ne veulent pas avoir une grosse horloge, ils aiment bien voir comme ça leur fond d'écran, sachant que vous avez l'heure ici. Bon, mais si quelqu'un sait, est-ce que c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation ou quoi que ce soit, ou où sont ces réglages, eh bien merci.